Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc tous mes achats Vinted dans une première partie et dans une deuxième partie un gros lot que j'ai acheté des personnes très sympathiques, donc de majorettes avec des majokits. C'est plutôt sympa, vous allez voir. Donc c'est parti, on commence tout de suite par mes achats Vinted. Donc pensez au pouce bleu les gars et laissez un petit commentaire, merci. Donc on commence par cette Volkswagen K70. Je ne l'avais pas ce modèle dans ma collection. Donc j'ai cherché un petit peu, j'ai vu cette couleur assez originale. Donc je l'ai pris. Elle est vraiment très belle. Bon, bien sûr, elle est en état de jeu, mais je trouve que c'est quand même une petite beauté. Vous voyez? Elle est vraiment très très jolie. Donc c'est une Made in France, hein, Volkswagen K70, numéro 210. Vous avez les portières ouvrantes. Voilà. Une petite beauté quand même. Ah, j'aime beaucoup la couleur. Hein. Vraiment très très belle. Voilà pour ça. Donc on a beaucoup de véhicules à présenter, donc on va laisser vite. Ensuite, une Renault 16 Majorette. Alors, c'est un modèle très rare. Malheureusement, il manque le capot et un petit peu la face avant. Néanmoins, je vais quand même essayer de la réparer. Donc je vais la démonter, je vais la repeindre, je vais essayer de fabriquer un capot. Voilà, j'ai essayé de me débrouiller. Donc voilà, une petite beauté celle-là aussi. Donc c'est une Renault 16. Voilà. Très ancienne. Alors, elle fait partie des voitures à petite taille. Vous voyez, les très anciennes sont petites. Elle est vraiment très belle. Vous avez les portières avant ouvrantes. Voilà, donc le châssis a un peu souffert. Hein. Là, je roule presque sur les roues. Ouais, vous voyez, sur les pneus plutôt. Donc voilà, très sympa. Je vais essayer de la refaire. Hein. Je vous tiendrai au courant, évidemment, de l'évolution. On continue avec cette petite beauté aussi. Une superbe Mercedes 450 SE État. Vraiment clinique. Regardez-moi ça, les gars. Il n'y a pas un défaut. Elle est vraiment très belle. Alors, il manque bien sûr l'insigne, mais je veux dire, à part ça, elle est vraiment clinique. Ça fait plaisir. Donc ça, c'est un petit lot que j'ai acheté sur Vinted avec deux autres véhicules pour 6 euros, je crois. Donc une très bonne affaire. Regardez-moi cette beauté quand même. Elle est vraiment parfaite. Hein. Donc c'est bien sûr une Made in France. Allez, le focus, merci. Voilà, Made in France. Elle est vraiment dans un état irréprochable. Je suis super content. Je vais pouvoir dégager la mienne qui était abîmée. Vraiment, celle-ci ira directement dans la boîte plastique. Présentation. On continue avec une Honda. Honda Prélude. Pareil, c'est un modèle que je n'avais pas, celui-ci. Donc, je l'ai commandé. Voilà, donc. Une très jolie déco rouge avec le logo Honda. Alors, c'est pas une Made in France, hein, donc c'est après 92 évidemment. Elle est vraiment sympa celle-ci. Honda Prélude. Voilà. Déjà 3 minutes, hein, faut que j'aille plus vite. Hein. Ensuite, on a une Ferrari Testarossa. Pareil, dans un état clinique. Ça fait partie aussi du pack avec la Mercedes, hein, des trois voitures que je vous ai dit. Sonic Flashers. Vraiment très belle. Alors, il y avait les phares avant, les phares arrière qui s'allumaient, hein, quelques boutons, mais bon, ça ne fonctionne plus, bien évidemment. Il y a certainement du son aussi, peut-être. Allez, on enchaîne. Alors, j'ai ça. Donc, un Ford modèle T ou A, je ne sais plus. A. Voilà. Très sympa, je ne l'avais pas dans ma collection. Donc, j'ai pris un joli bleu. En super état. Vraiment, état clinique, ça fait plaisir. Il est vraiment très joli. Très ancien aussi, enfin très ancien. Pas tant que ça, mais je veux dire, c'est un ancien véhicule, quoi. Voilà. Les années 20-30, peut-être. Ensuite, une Porsche. Alors, celle-ci, je l'avais déjà, mais en état très, très, très moyen. Celle-ci est comme neuve. Hein. Donc, ça fait partie du pack Mercedes voilà, que je vous ai montré juste avant. Les trois voitures. Et vraiment des voitures d'un état vraiment mais clinique. C'est impressionnant. Vraiment aucun défaut quoi, ça fait plaisir. Voilà pour celle-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé ça. Donc une Renault 5, 5 portes. J'avais donc le modèle 3 portes jaune que je vous avais présenté. Donc j'avais pas ce modèle 5 portes, donc je me suis dit, hop, je vais en chercher une. Alors j'ai failli acheter la rose avec les cœurs là, mais finalement j'ai pris celle-ci. C'est plus sympa. Donc c'est une Made in France. Renault 5. Voilà. Elle est plutôt pas mal, j'aime bien. Assez sobre. Voilà. Voilà pour ça. On continue, il y a beaucoup de voitures. Hein.
Ensuite, un Dodge Pickup. Alors celui-ci, c'est pas un choix de ma part, c'est ma mère qui l'a trouvé à son travail. Bah écoutez, merci beaucoup. Elle me l'a emmené, je dis tiens, j'ai trouvé ça. Ah bah ça fait plaisir, je l'avais pas celui-là. Donc voilà, Made in France. Avec la déco spécifique là, qui est inédite à chaque modèle. Plutôt pas mal. Voilà pour ça. On continue avec une Simca 1100. Donc là, c'est un échange avec Jérémy. Donc il m'a échangé ce modèle et d'autres que je vais montrer juste après. Contre divers véhicules que j'avais en ma possession. Donc plutôt sympa. Belle couleur. Ah, un truc qui se fait la malle. Vous avez le capot arrière ouvrant. Voilà, une belle Simca que je n'avais pas. Made in France, bien évidemment. Allez, on enchaîne. Une Citroën C3. Je n'avais pas ce modèle. Donc voilà, c'est chose faite. Elle est très mignonne, hein, j'aime bien. Alors, elle est peut-être un peu trop. Un petit problème de châssis au niveau des roues, mais bon. C'est pas grave. Elle présente plutôt bien, donc ça passe. Ensuite, un Renault. Un Scénic 2. Voilà, donc j'avais pas celui-là. J'ai d'ailleurs aussi commandé le Scénic 1, mais je ne l'ai pas encore reçu, donc dommage. Ce sera pour, je vous ferai peut-être un petit short pour. Parce qu'il me restait un colis en fait, mais j'ai pas eu le temps de recevoir avant le week-end. Donc je pense que je vous ferai un petit short. Voilà. Donc Renault Scénic 2. Il est plutôt sympa cette couleur. Allez, on continue. Donc là, on va passer sur d'autres marques. Voilà. Est-ce que vous avez deviné c'est quoi comme voiture? Je vous laisse quelques secondes. Alors, c'est un modèle américain. C'est une Ford. C'est une Ford Scorpio, bien sûr. Voilà. Voilà, donc c'est les premières. Hein. C'est pas que le modèle avec le feu arrière long, là, ce qui fait toute la malle. Donc elle est plutôt pas mal. N'empêche, elle n'est pas commune. Hein. J'ai tapé Ford Scorpio sur Vinted, il n'y a que celle-là. Voilà, donc je l'ai pris. Bon, c'était pas prévu, mais pourquoi pas. Ensuite, on passe à un petit Sicoud, donc un camion, camion Ben. Voilà, ça c'est un échange avec notre ami Jérémy. Voilà, il m'a fait ça en cadeau, il est sympa. Ensuite, hop, vous aimez les bus? Regardez ça. Pareil, toujours avec un échange. Un petit Man, Lyon Bus. Donc, assez immense hein, en termes de longueur. Après l'échelle, elle est un peu petite, c'est du 100, 110, je crois. Mais en tout cas, il est très sympa, j'aime bien. Il est vraiment joli. Voilà pour ce bus. Donc, c'est un Majo, hein, Majorette. Voilà. J'ai aussi celui-là en termes de bus. Attendez, je vais inverser les deux. Hop, voilà. Donc, là, c'est un Néoplan Majorette. Vous connaissez tous hein, ces modèles, très emblématiques. Le châssis est magnifique, hein, rouge vif, hein, c'est magnifique. Donc voilà, joueur de foot. Vraiment très propre, hein, vraiment un état impeccable, ça fait plaisir. Donc voilà pour ces deux bus. Hop. Donc là, à partir de maintenant, les gars, on va passer au lot que j'ai acheté aujourd'hui à des personnes très sympathiques. D'ailleurs, si elles regardent cette vidéo, j'espère que ça vous fera plaisir. Donc on commence, c'est parti. Avec un Renault. Donc je crois que c'est un Renault Master, donc je ne sais plus. Ouais, Master T35, avec voilà, la partie arrière qui s'abaisse. Vous pouvez mettre des véhicules dessus, évidemment. Ben, c'est plutôt pas mal. Donc, plutôt sympa, celui-là, je ne l'avais pas. Voilà. Voilà pour le premier modèle. On enchaîne avec celui-ci. Donc une camionnette que j'ai trouvée plutôt jolie, je ne l'avais pas. Elle est complète, il y a les portes arrière, bien sûr. Donc c'est un Econoline Ford évidemment. Voilà, plutôt sympathique. On continue avec ceci. Je ne l'avais pas ce modèle. Je crois que c'est un Mercedes de mémoire. Oui. Donc avec le chasse-neige qui bouge. Hein. Ah, très sympa, il est joli. Donc un nouveau modèle pour ma collection. Ensuite, il y a ça. Donc une Lamborghini Murcielago, bon ce n'est pas une majorette, c'est une Welly. Mais c'est pas grave, elle est très jolie. Voilà, ça fera une voiture de plus pour la collection. Ensuite, alors celle-ci je l'avais déjà,
en verte, vert foncé avec un thé rouge. Mais je l'ai quand même pris, donc j'ai trouvé sympa cette couleur grise. Voilà, élégante, donc pourquoi pas. Ça me fera ma deuxième. Hein. Ensuite, on continue avec cette superbe Renault 5 GT Turbo. Voilà. Alors, je l'avais déjà, la GT Turbo en bleu. Mais ce modèle, je ne l'avais pas. Enfin, cette déco plutôt, je ne l'avais pas. Donc, écoutez, je vais peut-être remplacer la mienne par celle-ci. Hein. Qui est quand même plus sympa, je trouve. On passe aussi maintenant à une Mercedes SLK Roadster. Alors de couleur marron gris, voilà. Un modèle que je n'avais pas. Encore une fois, merci à eux, hein, ça fait plaisir. Ensuite, une Citroën Xara WRC, toujours chez Majorette. Un beau modèle. Bon là, je passe vite. Hein, c'est pas des modèles très très rares. Hein, c'est très commun ça. Pareil pour la 307. Bon, l'état de jeu, certes, mais voilà. J'ai aussi une Subaru Impreza. Donc celle-ci je l'avais en version rallye mais très abîmée donc je préfère celle-ci. Donc voilà. Très belle quand même celle-ci, j'aime bien. Toujours Majorette, hein, je vous montre pas mais croyez-moi c'est Majorette. On continue avec une BMW. Alors celle-ci c'est la première fois que je la vois. Donc c'est une Majo. Sonic Flashers, vous savez celle qui faisait du bruit, des lumières. C'est une BMW. Alors je sais même pas c'est quel modèle celle-ci, série 5 peut-être, je sais plus. Voilà, donc assez original. Bon, bien sûr ça ne fonctionne plus hein, mais voilà. Voilà, très sympa celle-ci, je suis content. C'est vrai que je collectionne les BM. Ensuite, bon, une Peugeot 307 de police qui a un petit peu souffert, un petit problème de châssis. Néanmoins c'est un modèle que je n'avais pas. Donc en attendant d'avoir une version un peu plus propre, bah, je garderai celle-ci. Donc, il y a le capot avant qui s'ouvre. Donc voilà, Peugeot 307, police. Donc voilà, à réparer. Enfin, je vais essayer de voir si je peux. Ensuite, nous avons un Toyota. Donc un Toyota avec une déco Jungle King. Alors c'est pas les grosses roues, celui-ci, c'est les roues fines. Voilà, il roule bien, il n'y a pas de problème de roulement. Voilà, il est plutôt joli, hein, j'aime bien. Voilà, nous avons ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une Mazda. Alors, je n'avais pas cette RX-7. Alors, elle est en état de jeu, hein, elle a vécu, hein, certes. Néanmoins, c'est un modèle plutôt cool, hein, j'aime bien. Mazda RX-7, made in France. Alors, en attendant de l'avoir en meilleur état, bah, écoutez, elle fera bien l'affaire, celle-ci. Ensuite, une Pontiac. Pontiac Firebird. Alors je l'avais déjà ce modèle en noir et en rouge, mais différent. Ce qui m'a interpellé, c'est la petite déco là, W. Je ne sais pas d'où ça vient. Éclairez-moi si vous connaissez. Voilà, donc elle est plutôt sympa, rouge et blanc. Vous avez bien sûr le capot qui s'ouvre. Voilà de cette Pontiac. Ensuite, on va passer chez nos rêves. Donc un Renault Kangoo Darty. Voilà, sympathique. Voilà, 2003. Toujours chez nos rêves, nous avons une Renault Mégane Break. Modèle que je n'avais pas. Alors, bien sûr, en état de jeu, hein, mais ça va, c'est pas désagréable. Vous avez le coffre à air ouvrant. Voilà, Renault Laguna Break 2007. On continue avec une Lamborghini Diablo. Alors j'ai quand même pris, hein, c'est un modèle quoi chinois ça je pense. Ouais. J'ai quand même pris parce que la Diablo elle est sympa. Et puis elle est en bon état quand même. Enfin, c'est correct. Alors on enchaîne avec la Ford Thunderbird. Pareil, je l'ai déjà, mais je l'ai trouvé sympa en jaune, elle est mignonne. Voilà, donc je l'ai pris quand même. Et enfin, on termine, mais attendez, c'est pas quand même fini, hein, je vous montre d'autres choses après. Avec cette Chevrolet Impala, très très belle. C'est un modèle que je recherchais justement, la jaune avec la déco taxi, quoi. Donc là, bah, écoutez, bonne pioche, ça fait plaisir. Alors, j'ai bien sûr d'autres Impala, j'ai la version police, etc., etc.
Mais ce modèle, je l'avais pas. Donc ça fait plaisir. Alors j'ai aussi ça. Donc une remorque. Honda F1. Donc majorette. Il manque malheureusement ce côté-là. Vous pouvez quand même descendre la. Attendez, je vais prendre mes deux mains. La trappe arrière. Donc voilà. Bon, j'ai des camions qui n'ont pas de remorque. Donc j'espère que ça ira. J'ai le Renault là d'ailleurs. Donc ça devrait aller, je pense. Voilà. J'essaie de vous montrer comme je peux. Donc c'était un majorette. Un majorette Made in France. Il est pas mal. Et enfin, on termine par un petit lot. Alors, attendez, je vais prendre la caméra. Hop. Un petit lot Bajo Kit. Voilà. Donc j'ai acheté 5 euros à ces personnes. Regardez. Donc ça, je vais me faire un plaisir d'y monter, de faire un petit diorama. Je vous posterai ça à l'occasion hein, quand j'aurai terminé. Donc voilà, il y a pas mal de pièces, hein, c'est sympa. Voilà, je sais pas, je dirais une cinquantaine à peu près à vue d'œil. Peut-être un peu moins. Voilà, donc pour 5 euros, donc ça vaut le coup. Hein, c'est un prix très correct, hein, évidemment. Voilà. Donc j'ai monté ça, j'essaierai de faire une petite présentation. Donc pour le kiff, hein, tout simplement. Bon voilà, je vous remonte vite fait donc que j'ai eu. Voilà, donc dites-moi quels sont vos préférés. J'ai aussi les deux petites remorques, hein, je vous ai pas montré, hein, mais voilà. Bon, donc dites-moi quels sont les modèles que vous avez préférés durant cette vidéo. Voilà, donc je précise que tout le lot que j'ai acheté, là, en deuxième partie, j'ai acheté ça à peu près 6 euros et quelques, car j'avais plus de monnaie malheureusement, donc j'aurais pu pas être plus cher, hein. Mais ces personnes ont accepté de me les vendre à ce prix, donc ça fait plaisir. Donc encore une fois, si vous regardez la vidéo, merci à vous. Hein, c'est très sympa de votre part, merci beaucoup. Et avec ce lot aussi de Majo Kit à 5 euros, donc ça fait plaisir. Voilà. Allez, merci à tous, et je vous dis à très bientôt. Ciao les gars. Et pensez au pouce bleu, et dites-moi en commentaire quels sont vos préférés. Ciao!